Bonjour, monsieur le directeur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. S'il vous plaît, présentez-vous aux lecteurs et téléspectateurs de guinémathin.com. Moi, je suis Ibrahima Debary, le directeur communal de l'éducation de Matam. Nous nous acheminons vers la rentrée scolaire 2023. Et à date, est-ce que vous pouvez nous dire où en êtes-vous par rapport aux préparatifs à cette rentrée scolaire? Merci de m'avoir donné l'opportunité. Nous avons eu trois étapes dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2023-2024. La première étape, nous avons tiré les leçons de l'année scolaire 2022-2023. Nous avons analysé les résultats et nous nous sommes projetés dans l'avenir. C'est pourquoi donc, avant l'atelier préparatoire de la rentrée scolaire, nous avons réuni tous les cadres, n'est-ce pas, de Matam, à savoir les cadres de la DCE, les cadres des DSE, les directeurs d'école, les chefs d'établissement public et privé. Nous avons organisé une série de séances de travail. Nous avons posé les problèmes. Nous avons discuté des problèmes ensemble. Et ceux dont on peut résoudre sur place, on a eu à les résoudre. Ceux qui ne peuvent être résolus qu'au fur et à mesure, nous sommes en train de le faire. C'est ce qui fait que donc, après l'atelier préparatoire, nous, à date, à Matam, nous connaissons tous les groupes pédagogiques, n'est-ce pas, des différents établissements, des différentes écoles. Quels sont le nombre d'enseignants que nous avons sous la main? Quels sont les groupes pédagogiques prévus par école, n'est-ce pas? Et pratiquement tous les enseignants en situation de classe ont reçu leur emploi du temps à date. C'est ce qui fait que nous pouvons dire qu'à Matam, on peut bel et bien ouvrir les classes le 3 octobre 2023. La DCE de Matam est fin prête pour la rentrée scolaire 2023. Est-ce que par endroit, vous n'avez pas le déficit d'enseignants? Bon, le déficit d'enseignants dans la direction communale, à la direction communale de l'éducation de Matam, n'est pas criard. Mais il faut le reconnaître qu'il y a un déficit. Quand on sait que il y a eu depuis 2 ou 3 ans, il y a eu des départs à la retraite. Il y a eu des décédés. Il y a eu des professeurs, des enseignants qui sont malades, qui ne sont jamais remplacés. Donc, ça a créé un trou. Ça a créé un besoin. Donc, ce besoin existe, n'est-ce pas, au niveau de Matam. Mais nous sommes en train d'utiliser des solutions locales, à savoir se battre, faire de sorte que chaque enseignant ait au moins les 18 heures de cours. Et que chaque enseignant au niveau du primaire ait une classe. Un enseignant, une classe, un enseignant, un minimum de 18 heures de cours. C'est ce qui fait que donc, nous sommes en train de voir même des enseignants qui peuvent avoir dans un établissement 12 heures ou 10 heures de cours pour qu'ils aillent dans d'autres établissements pour remplacer, n'est-ce pas, et combler ou Comblez le vide. augmenter ou combler, n'est-ce pas, les heures qui restent. C'est ces enseignants-là que nous allons appeler des enseignants à cheval entre deux établissements. La mutation d'enseignants a-t-elle impacté un tout petit peu, a-t-elle ouvert des brèches? La mutation d'enseignants, Oui, est-ce que vous c'est-à-dire. en avez connu au niveau de la commune de Matam, le Bon. déplacement d'enseignants de votre commune vers d'autres communes ou bien à l'intérieur du Non, pays? pour le moment, nous n'avons pas connu cela. Seulement, il y a eu des besoins au niveau du département, par exemple, n'est-ce pas, au niveau de l'inspection générale, où il fallait prendre les enseignants, certains enseignants chevronnés, pour, n'est-ce pas, venir au niveau de l'inspection générale. Cela aussi a ouvert C'est donc ça crée un des besoin. vides. Oui. Ça crée un besoin. Non. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a des besoins, bien que ces besoins ne soient pas criards, mais il y a des besoins au niveau des enseignants. En termes de salles de classe et de bancs, est-ce qu'on vous a remonté des informations selon lesquelles il y a l'insuffisance de salles de classe et de table-banc? Les salles de classe existent, n'est-ce pas? Mais il faut le dire, nous sommes en manque de table banc. Les tables banques qui sont dans certains établissements sont là depuis près de 10 ans. N'est-ce pas? Sont vieillissantes. Sont complètement amorties. C'est ce qui veut dire qu'il y a des besoins en tables banques.
n'est-ce pas? Il y a aussi, à côté des tables bancs, il y a des écoles actuellement à Matam qui souffrent de manque de toilettes. Quand je prends le cas de l'école primaire Bonfiport, quand je prends le cas de l'école primaire Hermakono, ou le lycée collège franco-arabe, c'est des écoles qui n'ont pas de toilettes. C'est pourquoi nous avons attiré l'attention de la communauté, à savoir la mairie, pour dire que si réellement rien n'est fait, n'est-ce pas, pour assurer au moins le minimum dans ces toilettes-là, il sera très difficile pour nous d'ouvrir ces écoles-là. C'est pourquoi donc, et la mairie et le département, tout le monde est à pied d'œuvre pour nous permettre, n'est-ce pas, de faire un petit aménagement au niveau de ces toilettes-là pour que les enfants reprennent les cours dans des conditions plus ou moins acceptables. Parmi les dispositions nouvelles prises par le département, en tout cas annoncées récemment par le chef de département, la personne de M. Guillaume Awing, il y a l'interdiction du voile intégral, il y a le port de chaînettes, d'autres en tout cas comportements que certains élèves adoptent au sein des établissements scolaires. Est-ce que au niveau de la commune de Matam, l'information déjà atteint les différents établissements scolaires? Bon, comme nous l'avons eu à le faire au niveau du paquet scolaire, qu'est-ce que nous appelons par paquet scolaire? Ce sont les directives du département, les lettres d'instruction, n'est-ce pas, les périodiques, c'est-à-dire la répartition annuelle des programmes, n'est-ce pas? Nous avons fait la même chose avec les lettres d'instruction de M. le ministre Guillaume Awing, qui, il faut de passage dire, qui ne ménage aucun effort pour le rayonnement du système éducatif, n'est-ce pas, surtout de son département. C'est ce qui fait que donc, il a fait des lettres de rappel, des lettres d'instruction, pour dire que, pour rappeler aux élèves, aux parents d'élèves et aux enseignants et à l'encadrement, que réellement, les modes vestimentaires, n'est-ce pas, sont réglementés dans les écoles. Alors, il suffit de prendre les textes pour se dire que voilà la tenue qui est appropriée. Et ce mode vestimentaire est valable et pour le public et pour le privé. C'est ce qui fait que toutes les lettres qui ont été, comment on appelle ça, instruites par M. le ministre, nous les avons divulguées. Nous avons fait des réunions. Tous les cadres sont au courant, n'est-ce pas? Tous les chefs d'établissement, directeurs de l'école publique, privé, chacun est en train de prendre, n'est-ce pas, ses responsabilités, ses dispositions pour ne pas que ces tenues-là se retrouvent dans les écoles de Matam. Qu'est-ce que le DCE de Matam a pris comme décision contre les candidats aux éventuelles violations de ce principe, de cette nouvelle règle? Vous savez, au niveau du système éducatif, les textes sont là. Il suffit d'appliquer les textes, n'est-ce pas? Il suffit d'appliquer les textes, ne pas contourner les textes, n'est-ce pas? Quiconque n'est pas en conformité avec ce qui existe, avec la loi, doit subir les rigueurs de la loi, n'est-ce pas? Donc nous n'allons pas chercher midi à 14h, il y a des règlements généraux qu'il faut respecter. Ces règlements généraux ne sont pas respectés, il y a des sanctions qui accompagnent ceux qui ne respectent pas les règlements généraux, c'est ce qui va s'appliquer à Matam. Nous n'allons pas chercher ailleurs. Mais avant cela, nous avons déjà lancé un appel vers les parents d'élèves, nous avons lancé un appel vers les élèves pour que chacun se mette dans ces règles-là pour nous permettre d'avoir une entrée scolaire bien paisible. Un message à l'endroit des élèves et parents d'élèves à l'occasion de cette rentrée scolaire 2023? Le message va vers les parents d'élèves. C'est pourquoi? C'est le lieu de signaler que nous avons eu déjà à faire une rencontre avec l'association des parents d'élèves, l'APAE de base et l'APAE communale, pas plus tard qu'avant-hier, n'est-ce pas? Nous les avons tenus informés de tous les textes qui sont en vigueur pour nous permettre pour qu'eux-mêmes ils s'impliquent avec les élèves, avec les parents, pour d'abord lancer un appel aux élèves pour que l'effectivité du 3 octobre soit réellement réelle, pour que les enfants viennent. Il ne faut pas dire qu'il faut attendre après le 3. Non, je ne viens pas pour la semaine-là, je viens la semaine prochaine. Alors que le 3 octobre, si Dieu le veut bien, les cours seront dispensés. Il y aura 4% d'avancement du programme le 3 octobre. Les enfants ne viennent pas pour nettoyer les cours, pour nettoyer les classes. Ils ne viennent pas pour prendre des programmes, mais ils viennent pour suivre les cours. Tous les enseignants ont leur emploi du temps déjà. Donc c'est cet appel que nous allons lancer vers les parents d'élèves, vers vous la presse,
pour sensibiliser la population, sensibiliser les élèves pour que tout le monde soit là le 3, pour que les cours demeurent dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup, monsieur le directeur communal de l'éducation de Matam, Ibama Debari, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci.